pour nous un immense plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Vous savez peut-être, c'est le 25e anniversaire exceptionnel les mercredis de l'équipe de France. On a décidé d'organiser les mercredis de l'équipe de France sur le département de la Somme, juste avant le championnat de France de ma division, de manière à respecter les maximes de Gigoro Cano, entraide et prospérité mutuelle. Nos plus jeunes, les futurs champions sont ici. Madame Natalina Lupino. Merci beaucoup pour cette femme qui a marqué le judo français. Applaudissements pour Madame Natalina Lupino. Voilà, l'entraînement peut commencer. Hop, hop. Et attention. Au top. Top. Ok. Attention, maintenant c'est l'instant photo. Tournez-vous vers les parents. Parents, c'est l'instant photo, il faut te réveiller de ta sieste. Parents. Attention. On sautille. Oh, 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 oh. Top, top, top. Jim. Prenez tout l'espace. Prenez tout l'espace. Maté. Vous bougez pas, vous saluez votre partenaire, vous changez de partenaire, même exercice. Prenez juste celui ou celle qui est à côté. Attention, vous êtes prêts? 3, 2, 1, Adjim. Je te donne, Sarah, le pouvoir du déséquilibre. Regardez, elle tire sur l'avant et regardez David, un petit coup, il est hop. Hop, hop, en déséquilibre, en rupture sur l'avant. Sur l'arrière pour voir, ça donnerait quoi? Si tu pousses, doucement, doucement, doucement. Ah oui. Déséquilibre avant. Hop. Déséquilibre arrière. Hop. Super. Et droit. Vous pouvez les applaudir bien fort. Voilà, vous êtes fait voir. 8. Uchikomi. Ce mouvement permet d'apprendre le judo, de placer son corps en permanence. 8, 9, 10. Regardez, David déplace son partenaire et se place. Voilà, Uchikomi en déplacement. Vous avez vu, on a amené d'autres notions. David, Sarah, quelques nagekomi, s'il vous plaît. Uchimata. Vous les applaudir bien fort, Sarah Léonie Sizik et David Larose. Arrêt gauche. Ochigai, renfranchage intérieur.
à l'extérieur ou à l'intérieur. Voilà, Oshigari, la jambe toujours dangereuse. Arigoshi. Et Arigoshi, applaudissements pour la championne du monde, Madeleine Lalonde. Ma catégorie, c'est les plus de 100 kilos. Je vais vous montrer mon système d'appui. Pour être fort au judo, quand on est droitier, moi en tout cas, je viens prendre la manche bien fort, je la tiens bien fort et je viens chercher en garde haute derrière la ligne de mon partenaire pour pouvoir ensuite commencer à me déplacer et amener sur une technique. Les silhouettes, Badena Longa, Sarah Leonisevic et Stéphane Trenot arbitrés de manière impartiale par Natalina Lupino. Face à eux, l'équipe du mercredi. Salut, Adjim, c'est parti. Attention à la belle attaque, au-dessus de Rocher, Gaël, c'est bien tenté. C'est Yvonne Sonagui, le contre de Sarah Leonisevic qui reste sur la ligne. Voilà, c'est terminé. C'est terminé, la victoire. Alors que la Française avait été tellement rapide. Des pièges. Allez Gaël, c'est parti face à David Larose. Allez, la bonne technique avec cette main gauche en derrière. Oh là, tout de suite David Larose qui est tri. Oh là là, ça trébuche. Oh là, c'est terminé. Oh là, ah, c'est terminé, c'est bon, c'est fini. Voilà, Vasari, ça suit au sol. Gaël qui sort la jambe. Et qui suit, magnifique technique. 5, 4, 3, 2, 1. Et c'est fini. Vasari, on a été bon, on est en bordure. Allez, allez, la position de salut, voilà la victoire. Pierre, hein, c'est ça. Attention, Adjim, c'est parti. Avec la belle attaque, tout de suite de Pierre qui roule. Le retour, la technique de l'hélicoptère, la hanche à droite. La bonne reprise de Pierre. Qui relance sur son tour qui arrive, elle est prise, ah, c'est terminé. Et la... Allez, on salue la victoire de Pierre. Voilà. Salut. Adjim, c'est parti. La grande envergure de Madeleine Lalonga qui veut aller chercher sa maman derrière. C'est bien fait, Louis qui est pris. Louis qui tente de donner le gros autonome. Shibata. Wazari. Wazari. Et tout de suite, on comprend Madeleine Lalonga qui n'a pas compris les règles du jeu. Bon, c'est pas grave, on repart. C'est pas grave, les championnats ne vont pas tomber. Et attention, le gros autonome. Oh, Wazari. Ça suit au sol. 5, 4, 3, 2, 1. C'est terminé, Wazari. Vous avez pris pour la victoire de Louis. Adjim, c'est parti. Gabin qui vient tout de suite chercher la main droite à l'intérieur, qui cherche le revers. Stéphane Trenot qui se déplace bien, encore beaucoup de facilité pour le sexagénaire. Oh, le balayage, ça tombe sur les fesses, il n'y a plus rien, il n'y a plus rien, ça repart. Gabin qui n'est pas perturbé, Gabin qui positionne la main droite, qui en va à l'intérieur, le Oshigari, c'est bien fait la relance peut-être. Avec ce deuxième Oshigari, un petit peu statique certes, mais bien canalisé par Stéphane Trenot qui va relancer. Non, à nouveau Gabin qui parle, c'est terminé. Et la victoire de l'équipe du mercredi pour l'équipe du mercredi qui remporte ce combat exceptionnel. Mesdames, Messieurs, au service de l'espoir et de l'équipe de France de demain, victoire, l'équipe du mercredi. Vous savez à quel point la pratique de notre sport, de notre discipline, repose sur des valeurs essentielles. Au travers de la pratique du judo, ces valeurs ont fait de moi l'adulte que je suis aujourd'hui et je fais de mon mieux pour les mettre en pratique dans la vie de tous les jours. Merci infiniment l'équipe de France au service de vos enfants. Je vais vous rejeter, mais j'en ai besoin. Mais j'en ai besoin.
Là, je vais prendre Madeleine Malunga pour le diplôme. Voilà. Hop, merci beaucoup. Merci beaucoup. Allez. Strike. Strike. J'aurais eu 3 sur... Ah non, avec un pourquoi tu vas voir tout.